Salut tout le monde, comme vous le voyez, j'ai changé de décor puisque je suis en vacances, donc je n'ai pas ma bibliothèque avec moi. J'ai choisi cette pièce-là puisque c'est la plus lumineuse de la journée, donc je pense que c'est ce qui donnera le mieux en vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit update lecture. Je me rends compte que ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait ce genre de vidéo et en fait, finalement, j'ai pas mal lu. Je pensais que j'avais pas lu beaucoup, mais au final, j'ai quand même déjà 8 livres à vous présenter. Donc comme d'habitude, ça risque d'être un peu long, j'en suis désolée. Mais je vais faire au mieux. Depuis la dernière fois, j'ai donc lu 8 livres. Il y en a certains que j'avais déjà lus avant de partir en vacances. J'ai pas pu les amener dans ma valise. Donc j'ai ma petite anti-sèche avec moi pour me souvenir quels livres j'ai lus. Je ne pourrais pas vous les montrer, je les ai pas avec moi. Mais je vous ferai un petit montage et je vous montrerai la couverture de ce côté. J'espère que ça tiendra. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, c'est le premier tome de Il était une fois de Eloisa James aux éditions J'ai lu. J'avais déjà lu le 5e tome de cette saga il y a quelques mois, voire même l'année dernière, peut-être même l'été dernier, c'est une lecture assez estivale. J'avais apprécié, j'avais été divertie, mais j'avais quand même été assez déçue par le concept de réécriture de conte, puisque le 5e tome était censé revisiter le conte de Réponse ou de Rapunzel, et au final, à part la mention de la tour, il n'y avait quasiment rien du conte originel. Donc, avec ce premier tome, si vous voulez, c'est une série en plusieurs tomes, mais vous pouvez les lire complètement indépendamment, puisqu'à chaque fois, Eloisa James revient sur un conte différent, avec des héros différents, dans des époques différentes, donc vous pouvez les lire dans n'importe quel sens. Donc j'ai commencé par le 5e, et là je suis revenue au début, j'ai lu le premier tome, qui est censé reprendre le conte de Cendrillon. Donc là encore, déception. Franchement, j'ai cherché, mais à part la belle-mère, la demi-sœur, le prince charmant, le bal, mais enfin, ça reste assez léger et je trouve qu'on retrouve pas vraiment le scénario de Cendrillon, les éléments principaux, on les retrouve pas et ça m'a déçu. À côté de ça, je trouve que c'est quand même une romance historique qui est assez agréable à lire. Historiquement, comme le dit l'auteur dans la préface ou la postface, je sais plus, elle précise que on peut appeler ça romance historique, mais qu'en gros, elle, historiquement, elle n'a pas du tout fait attention, donc il faut pas s'attarder aux détails, aux costumes, aux accessoires, à la bienséance, au code de la société, puisque je pense que c'est un gros méli-mélo de choses complètement différentes qui n'appartiennent pas au même siècle. Donc l'auteur dit dans je ne sais plus où, au début ou à la fin du livre, qu'elle, elle verrait bien cette histoire à l'époque Régence. Sauf que rien que dans les tenues de ces personnages, les perruques, etc., ça n'a rien du tout à voir avec l'époque Régence, en tout cas l'époque Régence anglaise qu'on connaît de Jane Austen. Les héroïnes à cette époque-là, enfin les femmes à cette époque-là, avaient des robes empire, c'est la base. Là apparemment ce sont des robes cintrées à la taille, avec corset, elles ont des perruques. Moi ça me fait plus penser à l'époque Louis XIV, donc plutôt 17e siècle, 16e, 17e siècle, que début 19e et l'époque Régence. Bref, c'est qu'un détail. Historiquement, il ne faut pas, je pense, chercher la petite bête. Il faut oublier. Voilà, tout ce que vous savez, si vous êtes historien, il faut oublier. Il faut lire ça vraiment comme une romance divertissante qui détend. J'ai réussi à oublier justement l'aspect historique complètement farfelu puisque c'est pas trop mal écrit pour une fois et là c'est une assez bonne surprise. Je dis pour une fois parce que généralement les romances historiques je trouve ça vraiment neuneux, généralement mal écrit, ouais voilà, ça reste très basique. Et là pour le coup j'ai pas sauté au plafond, j'ai pas levé les yeux au ciel, ça m'a paru assez crédible, assez raisonnable. Voilà, l'héroïne ne m'a pas énervée outre mesure, donc ça c'est plutôt un point positif, mais à côté de ça, là ça fait 3 semaines que j'ai lu le bouquin, j'ai quasiment aucun souvenir d'elle et du héros principal, du prince. Ce sont des personnages qui m'ont diverti, mais j'ai pas eu énormément d'atomes crochus avec eux, ça m'a pas plus emballé que ça. Voilà, vite lu, vite oublié, je pense que ça sera le cas pour tous les tomes de cette saga, et je regrette parce que vraiment j'attendais beaucoup du côté réécriture de contes de fées et pas du tout ce que je veux dans cette saga. Je pense qu'en matière de réécriture de contes de fées, il y a des choses vraiment mieux dans le genre. Ensuite, j'ai changé complètement de genre puisque j'ai lu L'été où papa est devenu gay de André Lund Eriksen ou Eriksson, quelque chose comme ça. C'est un Norvégien. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est bien un Norvégien.
aux éditions Pierre Imagné, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, donc c'est un livre qui est sorti, me semble-t-il, à la rentrée littéraire 2014, donc en septembre dernier. Je l'avais reçu à cette occasion-là et j'avais pas eu le temps de le lire. Mais voilà qui est chose faite, c'est un court roman. Donc c'est plutôt pour la jeunesse, pour les adolescents, et pour le coup j'ai bien aimé. J'ai pas adoré, mais j'ai passé un excellent moment avec ce roman d'identité, sur le genre. Parce que soyons clairs, ça parle d'homosexualité comme le titre l'indique. Et on va suivre le héros, le narrateur principal, qui est un jeune adolescent qui s'appelle... comment on dit sèche, Arvid, qui a 13 ans je crois. Et donc il part en vacances avec son père, les deux parents sont divorcés, il voit plus du tout sa mère. Il est en conflit avec sa mère, il vit avec son père et donc il part en vacances avec lui. Et il se retrouve en Suède, si je ne dis pas de bêtises, auprès de Indiane, donc une jeune adolescente qui a un an de moins je crois, qu'elle a 12 ans ou 13 ans, enfin en tout cas c'est dans ces eaux là. Et du papa de celle-ci qui s'appelle Roger. Donc on a deux familles monoparentales qui vont se retrouver côte à côte sur leur lieu de vacances, une espèce de petit endroit paumé. Je crois qu'il y a juste deux ou trois couples de voisins dans les environs, mais c'est vers la forêt, c'est vers la montagne. Les lacs, ils sont vraiment isolés, en pleine nature, il y a quelques touristes qui passent, mais sinon pas grand chose. Donc ça va être l'occasion pour Arvid de se questionner beaucoup sur lui, sur ses sentiments, ses émotions, et ce questionnement va passer par la vie amoureuse de son père, puisqu'il va se rendre compte, que Roger, donc le papa d'Indiane, est gay. Et il va voir avec un très mauvais œil, en tout cas au début, le rapprochement de son propre père avec Roger. Et il a très très peur que son père devienne gay. Donc il essaye tout et n'importe quoi pour séparer les deux hommes, pour qu'ils passent le moins de temps possible ensemble. Il voit son père se transformer, faire des choses qu'il ne faisait jamais avant. Ça l'inquiète énormément, il se pose beaucoup de questions. Il n'a pas du tout envie que ça change, lui, il n'a pas du tout envie de perdre son père. Il veut que son père, ce soit toujours l'homme viril qui regarde le foot, qui boit des bières. Pas cet homme un petit peu efféminé, ça lui fait très peur. Il a beaucoup d'images, beaucoup de clichés en lui, comme un peu tout le monde je pense, et grâce à cet été-là et grâce à la jeune Indiane qui elle est beaucoup plus ouverte sur le sujet, il va se rendre compte de beaucoup de choses, notamment sur lui-même, et ça va lui apporter beaucoup. Donc, je pense que c'est un roman qui pourra plaire aux adolescents, aux jeunes adolescents, puisque le héros a 12-13 ans, donc à mon avis c'est parfaitement abordable pour des lecteurs du même âge qui peuvent se poser des questions un petit peu sur eux, sur leur identité. C'est donc écrit à la première personne du singulier, donc dans un vocabulaire, dans un langage d'adolescent de 12-13 ans. Alors parfois c'est assez cru, mais en même temps c'est crédible. L'auteur arrive bien à se mettre dans la peau d'un adolescent de cet âge-là qui se pose beaucoup de questions, donc c'est plutôt pas mal, c'est bien rendu. Voilà, une bonne lecture, je pense, à mettre entre toutes les mains. La question de l'homosexualité et la quête de soi est bien traitée, intelligemment, avec beaucoup d'humour. Et en même temps, derrière l'humour, il y a vraiment des questions graves qui sont abordées. Une lecture que je recommande aux jeunes adolescents et puis aux adultes qui ont envie de se poser des questions sur le sujet. Je suis restée dans la jeunesse, puisque j'ai continué une série, j'ai lu le deuxième tome de Fédélins de Nadia Coste aux éditions Grund. Grund, je sais jamais comment dire, je vous verrai avec la couverture, la maison d'édition. J'ai continué avec énormément de plaisir cette saga. J'ai lu le premier tome il y a 2-3 ans peut-être. J'avais adoré, ça avait été un énorme coup de cœur. Et je me demande pourquoi je n'ai pas continuer directement à lire la suite de cette série, je sais pas, c'est une bêtise. Peut-être que j'avais peur d'être déçue, que ce soit moins bon, que je sois moins touchée par cette histoire, je sais pas, mais c'est vraiment une bêtise puisque, alors j'irai peut-être pas jusqu'au coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ce deuxième tome et il faut absolument que j'achète la suite et que je la lise beaucoup plus vite. Alors Fédélins, c'est quoi ?
Je vais essayer de vous raconter un petit peu les bases de l'histoire, mais je risque de spoiler quand même légèrement sur le premier tome. Je suis obligée puisque pour vous raconter l'intrigue de ce deuxième tome, il faut que je vous donne des éléments essentiels du premier tome. Donc je suis désolée pour ceux qui ne l'ont pas lu, il vaut peut-être mieux que vous alliez un peu plus loin, sinon vous allez apprendre des choses, ça serait un petit peu dommage si vous comptez lire cette saga. Alors Fédéline, ça se passe dans un monde un petit peu particulier. On se croirait dans le film Microcosmos, que j'avais adoré quand j'étais gamine. D'ailleurs, je voulais être entomologiste, je voulais aller étudier les insectes dans la forêt amazonienne, tellement j'avais adoré ce film. Bref, on se retrouve dans un espèce de microcosme, dans une forêt, avec tous les dangers que ça implique, et on va suivre un personnage principal qui s'appelle Kail, qui est un fédéline. Donc c'est une petite créature qu'on pourrait comparer à une petite fée avec des ailes, une petite fée à l'apparence humaine, sauf qu'elle est minuscule et qu'elle a des petites ailes. Donc Kail, qui est un fédéline, donc c'est un garçon, au début il n'a pas d'ailes, il naît dans une bulle dans l'eau, c'est ce qu'on nous explique dans le premier tome, il grandit avec d'autres fédélines de son âge, et puis il subit une cérémonie pendant laquelle il devient adulte, et pendant cette cérémonie-là, ses ailes sont, je sais pas comment dire, mais limite arrachées, ses ailes pour la première fois prennent toute leur ampleur, sont ouvertes, et il va pouvoir prendre son envol, c'est ce qui va faire de lui un adulte. Or, Kail est différent des autres puisque tout le monde a une marque derrière l'oreille ou dans le cou, je ne sais plus, qui signifie que les fédélines appartiennent à des castes précises. Chaque symbole signifie une caste. Le problème, c'est que Kail, il n'en a pas. Son père ne lui en a pas donné quand il est né. Donc il est différent des autres. Et en fait, pendant des années, pendant toute sa croissance, il va cacher ce fait-là, avec des cheveux longs. Enfin, je ne me souviens plus exactement comment il fait pour se cacher de son entourage et de tout le reste du village. Il cache ça, sauf que, malheureusement pour lui, ce secret est dévoilé le jour de la cérémonie pendant laquelle il devient adulte. Et donc, la seule chose qui lui reste à faire, malheureusement, c'est de fuir ce village dans lequel il n'a plus sa place et dans lequel, de toute façon, on va le rejeter puisqu'il n'a rien à faire dans ce village où tout le monde a une marque dans le cou. Voilà. Donc, il s'enfuit. Mais il ne s'enfuit pas seul puisque dans le premier tome, on le comprend très très vite, il se lie d'amitié avec... Antisèche, Glark, qui est un gore de rive. Et en fait, je pense que les gores de rive, on peut imaginer ça comme des crapauds. Donc lui, c'est pareil, en fait, Glark. Oui. Il s'enfuit aussi de sa communauté de crapauds. C'est un peuple guerrier avec une hiérarchie très cadrée, etc. Et eux, ils sont là pour faire la guerre. Et justement, il y a une espèce de conflit ancestral qui existe entre les fédélines et les gores de rive. La paix est en place depuis plusieurs décennies, voire siècles maintenant, mais c'est quand même toujours tendu. Et bizarrement, les deux êtres de deux races différentes vont se retrouver, vont se lier d'amitié, et ils vont fuir tous les deux. Donc ils quittent complètement leur communauté, ils quittent leur village respectif et ils vont découvrir les alentours de ce petit microcosme. Et c'est ce qu'on va voir dans ce deuxième tome. Ils partent à l'aventure et ils vont faire des rencontres assez impressionnantes pour eux, puisque je vous rappelle qu'ils sont tout petits, ils sont dans un microcosme. Il va y avoir beaucoup de dangers autour d'eux, alors que ce soit des dangers naturels, par exemple, je sais pas, une mare, un lac, un courant fort, des marées, tout ça c'est très dangereux pour des petites bestioles pas très hautes. Et puis aussi les dangers des rencontres avec les autres animaux qui sont pas forcément tous des alliés. Vous allez avoir par exemple cette rencontre avec, je ne sais plus comment on les appelle dans... Enfin, je ne sais plus comment Nadia Coste les a appelés dans cette histoire. Ce sont des cousins d'araignées. C'est pas vraiment des araignées, ce sont des bestioles qui sont beaucoup plus agressives, qui tissent des toiles aussi. Et malheureusement, le petit Kail, en volant, puisqu'il apprend à voler et qu'il se déplace comme ça,
va se prendre les ailes dans une toile d'araignée et ça va être très difficile d'en sortir. Il va donc rencontrer pour la première fois ces espèces de cousines d'araignées qui sont pas forcément très sympathiques. Ils vont aussi devoir affronter, je ne sais plus non plus comment ça s'appelle, j'en suis désolée mais j'ai pas le livre sur moi pour vérifier, des créatures qu'on peut, je pense, rapprocher des moustiques, qui dans la légende ancestrale sont les gros ennemis des Fédélines. Et je ne vous en dis pas plus, mais bon, ils vont avoir une rencontre un peu particulière avec un représentant des moustiques, qui ne s'appelle pas les moustiques, mais on comprend que c'est ça. Ils vont devoir affronter, si j'ai bien compris, ce qu'eux appellent, je ne sais plus comment, mais qui pour nous sont des sangliers et leurs petits, les marcassins, ce qui des créatures très dangereuses pour des petits trucs qui sont grands comme ça. Ils vont aussi rencontrer ce qu'ils appellent le galeux et qui je pense est un loup. Bref, tout plein de créatures dans la forêt. Et voilà, tout un microcosme. Et je trouve ça absolument génial de se retrouver dans la tête, puisque c'est écrit à la première personne du singulier, d'un fédéline, d'une petite créature toute petite et on voit à travers ses yeux tout ce qu'elle voit dans la forêt et on s'imagine être à sa hauteur et tout découvrir comme si on était minuscule, je vous dis comme dans le film Microcosmos où on est à la place des insectes et on voit qu'une goutte d'eau ça peut être comme le déluge, bref, ce genre de choses. Et ce qui est aussi très beau dans cette histoire, en plus du côté très poétique, très imagé, très immersif, on est vraiment dans l'histoire, ça c'est génial, on est à fond dedans. Mais ce qui est aussi très très beau, c'est l'histoire d'amitié entre les deux amis, les deux races différentes, donc le Fédéline et le Gorderive, qui ont apparemment absolument rien en commun et qui sont ennemis ancestraux. Et c'est hyper émouvant, cette histoire d'amitié. C'est vraiment très très fort entre eux. Voilà, c'est super émouvant. J'ai trouvé ce deuxième tome peut-être pas aussi génial que le premier, parce que dans le premier il y avait le côté découverte de l'univers, donc c'est ce qui m'a donné le coup de cœur. Mais vraiment dans la lignée de ce premier tome, et j'ai super envie de lire la suite, il faut absolument que je me procure le troisième et quatrième tome, puisque c'est une saga en quatre tomes. Alors c'est estampillé jeunesse, mais je pense que les adultes peuvent vraiment y trouver leur compte. Le côté poétique, hyper immersif, l'amitié, les rencontres, les découvertes, franchement ça peut vraiment plaire à des adultes. Et je pense même que les adultes comprendront peut-être plus de choses, percevront plus de choses que les plus jeunes lecteurs à mon avis. Mais c'est une belle aventure et pour les petits et pour les grands. Vraiment Nadia Coste, c'est une auteure française, lyonnaise même, je crois qu'elle habite pas très loin de Lyon, qui est à suivre. J'avais adoré le premier tome, ce deuxième tome beaucoup aimé aussi, j'ai très très hâte de lire la suite. Et j'ai lu il y a très très peu de temps, comment ça s'appelle, son livre paru chez Scrinéo, je me souviens plus du tout, je l'ai lu il y a pas très longtemps et je l'ai adoré, j'ai un trou énorme, je vous mettrai la couverture ici. Bref, que j'ai beaucoup aimé aussi, alors pour le coup beaucoup plus adulte, beaucoup plus gore, cruel, voilà, un peu dégueu. Vraiment Nadia Coste, c'est une auteure à suivre. Je vous conseille, notamment Fédéline si vous avez envie un petit peu de poésie, de belles images, d'amitié. Bref, c'est un univers tout doux et j'adore, je vous conseille. Je passe au livre que j'ai lu pendant mes vacances, donc ça fait un peu plus d'une semaine, et au final je pensais que j'avais pas lu beaucoup, mais finalement quand même pas mal. J'ai commencé par lire L'Irlande fantastique, présenté par Claude Fierob. Donc c'est un recueil de nouvelles aux éditions Terre de Brume. Et c'est un emprunt à la bibliothèque, vous voyez le magnifique code-barre. Bref, c'est un recueil qui rassemble plusieurs nouvelles écrites par des auteurs irlandais au 19e siècle. Et ça parle évidemment de fantastique. Si j'ai pas aimé toutes les nouvelles de ce recueil, je sais plus combien il y en a, j'ai pas compté avant, j'aurais pu, ça aurait été plus intelligent. 1, 2, non ça c'est une préface. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc si je n'ai pas aimé au même niveau les 12 nouvelles, je les ai quand même pratiquement toutes appréciées. Alors à différents niveaux,
Mais globalement, il n'y en a pas une que j'ai détestée. Se côtoie des auteurs hyper connus, enfin en tout cas que je connais moi, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, par exemple Oscar Wilde, Sheridan Le Fanu et Bram Stoker. Voilà, les trois plus connus à mon avis. Et finalement, même si j'ai aimé les trois nouvelles de ces trois auteurs très célèbres, eh ben j'ai peut-être préféré des nouvelles d'auteurs que je ne connaissais pas et dont j'ai vraiment beaucoup apprécié la plume. Ça a été de belles surprises et ça m'a donné envie de lire autre chose de ces auteurs-là. C'est ce que j'aime bien avec les recueils de nouvelles ou les anthologies. C'est que c'est l'occasion de découvrir des auteurs qu'on ne connaît pas, d'apprécier leur plume et donc d'aller voir plus loin dans leur bibliographie. Alors je peux pas vous présenter toutes les nouvelles, évidemment ce serait beaucoup trop long et puis pour être tout à fait honnête je me souviens plus de tout ce que j'ai lu. Globalement ça parle donc de petits peuples, d'enfants enlevés par les fées, de prédictions, d'apparitions étranges. Voilà, en gros ça parle de ça. Et il y a vraiment une nouvelle qui m'a beaucoup plu, alors pas forcément sur l'intrigue, même si j'ai bien aimé l'intrigue et la chute en elle-même, mais surtout par rapport à la plume. C'est celle qui est écrite à quatre mains en plus, c'est pas évident, écrite par Edith Somerville et Violette Martin, qui se fait appeler Ross, puisque toutes les deux sont cousines et elles signent du pseudonyme Somerville and Ross. Voilà, donc elles ont vécu plutôt dans la deuxième moitié du 19e siècle. Elles sont issues de vieilles familles anglo-irlandaises, donc plutôt en Irlande du Nord. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans leurs nouvelles, c'est la plume. J'ai trouvé ça super bien écrit et sans mentir, ça m'a fait penser à l'ironie de Jane Austen. Vraiment très marrant. Déjà c'est écrit à la première personne du singulier. Je crois que c'est une des rares nouvelles qui est écrite à la première personne du singulier. Alors c'est pas un cas général, mais quand même globalement j'aime bien les textes qui sont écrits à la première personne du singulier puisque c'est plus facile de s'attacher au narrateur principal quand on est dans sa tête. Mais ça marche pas à tous les coups et j'ai eu de gros coups de cœur pour des textes qui sont écrits à la troisième personne du singulier, ça marche aussi très bien, ça dépend vraiment du style des auteurs. Mais là pour le coup, je le note parce que je pense que c'est le premier texte du recueil et pourtant on arrive quasiment à la fin, qui est rédigé à la première personne du singulier. Bref, c'est bourré d'humour et ça m'a fait vraiment sourire, beaucoup d'ironie. Je vous lis par exemple une phrase, alors je sais pas si en sortie de son contexte ça va être aussi marrant, mais ça m'a fait sourire. En gros, pour vous quand même vous basez un petit peu l'histoire, c'est un jeune homme qui, je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus s'il hérite ou quoi, mais se retrouve à vivre dans une vieille baraque irlandaise qui a énormément besoin de travaux. Donc, le propriétaire lui dit, il y a quelques bricoles à faire, dit-il tranquillement, une touche de peinture ici, une truelle de plâtre là, etc. Et le narrateur nous dit, je suis myope, je suis horrible. Je suis myope, je suis aussi d'origine irlandaise, de fait qui dispose à la tolérance, mais moi-même je compris qu'il sous-estimait le travail, l'entrepreneur partageait mon avis. C'est des petites touches comme ça, alors sorti de son contexte c'est peut-être pas très drôle, mais je trouve que c'est un regard sur la société irlandaise assez amusante. Et apparemment les deux cousines sont connues pour voilà, avoir justement ce regard, ce recul sur la société irlandaise, un peu comme Jane Austen qui avait ce recul et qui faisait des portraits très savoureux de la société anglaise à l'époque Régence, donc au début 19e. Voilà, donc c'est vraiment le style qui m'a le plus convaincue. Et j'ai aussi beaucoup apprécié la dernière nouvelle, qui parle de fantômes, ou d'esprit, je sais pas trop, Enlèvement fantôme elle s'appelle, qui est là aussi écrite par une femme qui s'appelle Clotilde Graves, qui là aussi a plutôt vécu et a écrit dans la deuxième moitié du 19e siècle, voire au début du 20e, elle est morte en 1932, et apparemment elle est plutôt du comté de Cork, donc plutôt dans le sud de l'Irlande, République d'Irlande. Et là, pareil, c'est hyper drôle, enfin hyper drôle, c'est amusant, j'ai vraiment beaucoup aimé, on se retrouve dans une situation assez cocasse, c'est un couple qui vient de se marier et qui sont très amoureux, mais le soir de la lune de miel,
La jeune femme, la jeune épouse, est réveillée dans son sommeil par un souffle froid. Et en fait, elle se rend compte que son mari est spirit, donc il communique avec les esprits et qu'il entretient une relation platonique, mais quand même avec un esprit. Et en fait, cet esprit ne veut plus s'en aller. Il est tout le temps là, jour et nuit, et elle est tout le temps perturbée par cet esprit qui est là, donc c'est l'esprit d'une jeune femme, hein. Voilà, donc elle n'en peut plus. Et en fait, elle va trouver le moyen, elle aussi, de s'entraîner au spiritisme, de devenir spirit pour elle aussi. Entrer en contact avec un jeune homme pour rendre jaloux son mari. Et au final, les pauvres, ils vont se retrouver avec deux esprits dans leur chambre constamment autour d'eux, jour et nuit, surtout la nuit. Donc, un esprit féminin qui est amoureuse du mari et un esprit masculin qui est amoureux de la nouvelle mariée. Et voilà, c'est une situation assez cocasse, assez marrante. Et là aussi, j'ai trouvé ça vraiment très très bien écrit, très amusant. Finalement, j'ai davantage retenu les auteurs que je ne connaissais pas, justement. Et vraiment, je trouve que c'est ce qu'il y a de le plus positif dans des anthologies, dans des recueils de nouvelles, c'est de pouvoir découvrir la plume d'auteurs complètement inconnus. Et pour le coup, ça a super bien marché ici. C'était un emprunt bibliothèque, mais j'ai bien envie d'essayer de l'acheter dès que je pourrai le trouver d'occasion. Je ne sais pas où, mais je verrai. Parce que je pense que je retournerai sur certaines nouvelles dès que j'aurai l'envie, l'occasion. Mais en attendant, j'ai noté les auteurs qui m'avaient le plus plu. Je vais y arriver. Pour aller voir un petit peu si je trouve des romans ou d'autres nouvelles de leur part, de leur fait, puisque vraiment, en tout cas, ces trois femmes que je vous ai présentées à la fin, je pense qu'elles valent le détour. Je suis restée au 19e siècle avec ma lecture suivante, puisque j'ai lu le premier tome de Confession d'une fan de Jane Austen de Laurie Viera Riegler aux éditions Milady Pemberley. Je possède également ce livre dans la version originale, je pensais le lire en VO, et puis finalement, je l'ai découvert en français. Je pense qu'en VO, c'est à mon avis abordable à voir, mais ça reste de la littérature abordable à mon avis. Bref, donc comme le titre peut le laisser présager, on va parler de Jane Austen. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Courtney, qui a priori est une trentenaire qui vit à Los Angeles au XXIe siècle. Mais en fait, dès la première page, on découvre Courtney dans un tout autre environnement, puisqu'elle se réveille d'une nuit agitée. Et elle se réveille dans un lit qui n'est pas le sien, et elle se rend compte assez rapidement qu'elle se réveille au début du 19e siècle en Angleterre, et qu'elle s'appelle apparemment Jane Mansfield, qu'elle a une mère acariâtre insupportable, et un père, Monsieur Mansfield, qui est un petit peu le pendant de Monsieur Bennet dans Orgueil et Préjugés, un papa qui n'a pas du tout la loi, mais qui est plutôt sympa, plein d'humour et qui adore sa fille. Elle a, si je me souviens bien, une sœur et un frère qui se sont tous les deux trouvé une situation. Et elle a 30 ans et elle est vieille fille. Ce qui, dans la société anglaise du début du 19e siècle, était assez dur à subir pour la jeune fille en question et pour la famille également, puisqu'elle se retrouvait complètement dépendante de ses parents. C'était un petit peu un poids. Et la mère, elle, elle a qu'une envie, c'est marier sa fille pour qu'elle fasse une belle alliance, qu'elle dégage en gros, et qu'elle rapporte le plus d'argent possible pour la descendance de la famille. En gros, c'est ça. J'ai passé un bon moment avec cette histoire. C'est un roman paraosténien plutôt bon. C'est pas extraordinaire, mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Bon, je me base sur la traduction, mais j'ai pas trouvé ça simpliste. L'auteur nous le dit, je sais plus si c'est en préface ou en postface, mais qu'elle a fait appel à des spécialistes de la Régence anglaise, elle a fait des recherches elle-même. Donc, côté historique, côté crédibilité de l'histoire au 19e siècle, pour le coup, c'est bien rendu. Donc là, vous ne levez pas les yeux au ciel, il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas d'anachronisme, c'est vraiment bien rendu. Et c'est d'ailleurs une source d'amusement ou d'horreur pour l'héroïne qui découvre que
Jane Austen ne nous disait pas tout dans ses romans que, par exemple, niveau hygiène et niveau confort vestimentaire, c'était très difficile au début du 19e siècle. Il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas de toilette. Pour prendre un bain, il y avait un défilé de domestiques qui se cassaient le dos pour monter des seaux d'eau bouillante. Donc les bains, c'était pas tous les jours. Que le port du corset était obligatoire, qu'il fallait forcément quelqu'un, une jeune fille, pour aider au quotidien à s'habiller, à se déshabiller, puisqu'il y avait beaucoup de boutons, évidemment, dans le dos. Les coiffures élaborées, les coiffes, les chapeaux, tout ça. Bref, toutes les choses qu'on ne perçoit pas forcément quand on lit ou quand on regarde des adaptations fidèles de Jane Austen, mais qui étaient apparemment la réalité. Et là, l'héroïne en fait les frais, bien malgré elle. Ce que j'ai bien aimé dans cette histoire, c'est que justement, cette Courtenay, ou qui devient Jane au fil du temps, a des réactions crédibles. Elle met un certain temps à s'habituer à sa nouvelle condition, ce qui est normal, mais en même temps, en tant que fan de Jane Austen au 21e siècle, elle est complètement fan, elle a lu Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiment des centaines de fois, au moins, elle a vu les adaptations je ne sais pas combien de fois, bref, elle est vraiment une lectrice assidue de l'auteur, elle connaît très bien l'univers de Jane Austen, donc avec ce bagage, elle s'en sort quand même pas mal au 19e siècle. Au début du 19e siècle, en Angleterre, elle fait pas d'énormes bourdes. Alors c'est pas hyper facile, il lui faut un temps d'adaptation, mais elle est quand même crédible. Elle arrive à jouer le rôle de Jane sans trop de problèmes. Alors au début, elle a un petit peu de mal avec le langage, elle met un petit peu de temps, elle utilise des mots jugé vulgaire par sa mère, c'est des expressions qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas employées par la bonne société au début du 19e siècle en Angleterre, mais elle se fait vite à la situation et j'ai trouvé ça crédible. Contrairement à la mini-série Lost in Austen, je crois, en 4 épisodes, si mes souvenirs sont bons, que je n'ai vu qu'une fois, puisque si l'idée est bonne, j'ai trouvé l'héroïne complètement insupportable. Déjà, je ne supporte pas l'actrice que je trouve très vulgaire physiquement, très moche, il faut le dire. Enfin, en tout cas, pour moi, je la trouve très moche, très vulgaire. Et en plus, pour une fan absolue de Jane Austen, elle arrive au 19e siècle, c'est sur le même principe en fait, elle se retrouve à l'époque de Jane Austen, elle ne sait pas trop comment. Et elle fait que des bourdes. Pour une fan de Jane Austen, il y a quand même des choses essentielles, je pense que si on a... Évidemment, on n'a jamais vécu au début du 19e siècle, donc on ne connaît pas toutes les conditions, mais il y a quand même quelques petits trucs qu'on sait et auxquels on saurait s'adapter, je pense, en arrivant à l'époque de Jane Austen. Et ben là, l'héroïne dans la mini-série, elle est nulle de chez nulle, elle fait des bourdes tout le temps, elle est vulgaire, elle est grossière, bref, une horreur. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai vu qu'une fois cette mini-série, qui pourtant avait de bonnes idées, et j'ai pas du tout envie de la revoir. Elle est dans ma collection, il faudrait que je la revoie pour en faire une chronique un peu plus détaillée sur le blog, mais j'ai vraiment pas envie de la revoir. Et donc là, contrairement à cette héroïne qui s'appelle je ne sais plus comment dans la mini-série, là, Courtenay Jane, vraiment, elle s'adapte de façon crédible. Et même si c'est pas une héroïne super touchante, j'ai trouvé agréable de la suivre. Alors par contre, les autres personnages, j'ai pas eu plus d'atomes crochus que ça, notamment le personnage masculin principal qui arrive très vite dans l'intrigue, mais je vous en dis pas plus, qui m'a fait ni chaud ni froid. Je l'ai pas trouvé très séduisant, pas très intrigant, pas très... voilà. C'est un héros pas très haut en couleur, pas très charismatique, pas très marquant, mais ça reste acceptable quand même. Mais j'ai pas vibré pour lui, j'ai pas vibré pour les personnages secondaires, malheureusement. Autre point assez amusant, c'est l'explication du voyage dans le temps. C'est limite une explication SF, j'ai trouvé ça assez marrant. Alors je suis pas sûre d'avoir tout compris, je pense qu'il faudrait que je lise le tome 2 qui s'appelle Tribulation, d'une fan de Jane Austen je crois, et qui prend un peu le problème à l'envers. Qui verra l'héroïne se réveiller au 21e siècle alors que dans sa tête c'était une héroïne qui vivait au 10... enfin c'était une jeune femme qui vivait au 19e siècle. Donc le problème est inversé et je pense qu'avec ce deuxième tome on a un peu plus d'explications sur le pourquoi du comment de ce voyage, puisque là on part un peu dans l'explication des mondes parallèles qui se passent en même temps mais qui sont pas dissociés en fait. C'est un peu compliqué, c'est limite de la SF.
C'est un peu compliqué, mais en même temps ça passe puisqu'on se pose pas plus de questions que ça. Mais je suis curieuse et j'aimerais bien savoir comment l'auteur explique ça dans le deuxième tome, si elle apporte un peu plus de précision ou pas du tout. Bref, une lecture divertissante pour l'été, je ne suis pas déçue. J'en attendais pas énormément, c'est peut-être pour ça que je suis pas déçue, mais pour le coup, franchement, dans les romans para-austéniens, celui-là, il se place plutôt pas mal. J'ai bien aimé. J'ai continué mes lectures avec un essai qui s'appelle Les Irlandais, écrit par Agnès Maillot, aux éditions Les Ateliers Henri Dougier, et c'est dans la collection Ligne de vie d'un peuple. Donc c'est une collection qui revient sur différents peuples dans le monde entier. Vous avez pas mal d'ouvrages qui sont déjà parus, vous avez sur les Écossais, les Anglais, les Inuits, les Mexicains, les un peu partout, et vous en avez plein d'autres qui sont prévus dans les mois, voire les années à venir. Ils ont une ambition assez colossale et je trouve ça super intéressant. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo qui vous amènera sur la page qui explique le pourquoi de cette collection et les projets de cette collection. Alors pourquoi j'ai pris les Irlandais, j'ai pas besoin de l'expliquer, l'Irlande c'est un pays qui me fascine, que j'ai dans la tête, que j'ai dans le sang, bref, l'Irlande c'est mon pays de cœur et voilà. Donc j'y suis déjà allée deux fois, j'envisage peut-être dans un avenir plus ou moins lointain de m'y installer plus ou moins longtemps selon ce que me réserve mon avenir professionnel ici, en France, qui est a priori assez nul. Donc je me dis pourquoi pas m'exporter dans un pays dans lequel je me sens bien, qu'en Irlande. Donc, voilà, même si j'ai déjà fait deux séjours là-bas, deux séjours plutôt courts, environ 2-3 semaines à chaque fois, j'ai découvert des choses, mais finalement je ne savais pas non plus énormément de choses sur l'Irlande. Alors plus ça va, plus j'ai de détails, j'ai d'informations sur le pays, sur ses habitants, etc. grâce à mes différentes lectures, mais il me manque encore pas mal d'infos et je suis toujours curieuse d'en savoir plus. Donc j'étais hyper contente de me procurer ce livre que j'ai acheté il y a 2 semaines et que j'ai déjà dévoré. C'est un énorme coup de cœur, j'ai adoré. Je trouvais ça super intéressant, bien écrit, pas pompeux. J'ai appris plein de choses. Bref, vraiment un gros coup de cœur pour ce titre-là. Et si tous les titres de cette collection sont aussi bons et sont aussi intéressants, franchement, allez-y, courez, allez vous acheter un de ces ouvrages sur le peuple qui vous intéresse le plus, parce que pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Alors là, cet essai est séparé en 4 chapitres, 4 grands axes. Donc le premier, ça va vous parler des mouvements migratoires en Irlande, donc aussi bien l'émigration que l'immigration. Le deuxième axe parle du conflit nord-irlandais. Le troisième, de l'économie irlandaise, la fin du tigre celtique. Et la quatrième et dernière partie parle de la place de l'église dans la société irlandaise. Notamment sur tout ce qui a trait à la révolution sexuelle en Irlande. Voilà, donc j'ai appris vraiment énormément de choses. Une petite anecdote, pendant mes deux voyages, notamment le deuxième, on avait loué une voiture, donc on a sillonné les routes de l'Irlande, et on a remarqué en se baladant que dans le centre de l'Irlande notamment, il y avait des baraques, mais des trucs de fou, des mini-châteaux. Et les Irlandais ont des voitures énormes, des gros 4x4, des gros trucs qui on avait peur de ne pas pouvoir passer, de ne pas pouvoir se croiser sur les mini-routes irlandaises. Bon, finalement si, ça passe toujours, hein. Eux ils le savent, donc ils roulent à 70, nous on était à 40 tellement on avait peur avec notre mini-voiture, mais bref, on se demandait, mais les Irlandais, ils ont tant de fric que ça, c'est pas possible quoi. Moi j'avais l'image, la première fois que je suis allée en Irlande, des petites chaumières blanche avec le toit de chaume, et là on s'est retrouvé face à des maisons, mais des mini châteaux, des trucs énormes, tout en simplicité, en sobriété, avec des créneaux pour délimiter le terrain, enfin bon bref, des mini châteaux. Et on se demandait comment ces Irlandais avaient autant d'argent que ça, est-ce qu'ils étaient tous riches, ils avaient tous hérité. Et en fait j'ai appris en lisant ce livre que dans les années 90 et au début des années 2000, ça a été ce qu'on appelle le tigre celtique, une période d'opulence. Vraiment, il y avait quasiment plus de chômage, les salaires avaient augmenté, c'était vraiment le moment d'aller vivre en Irlande. Et les banquiers prêtaient à tour de bras
et l'immobilier n'était pas cher du tout. Donc les gens ont fait des prêts et ont construit des maisons énormes, ont acheté des voitures et se sont endettés sur des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années. Et malheureusement, avec la crise de 2008, le paysage économique a complètement changé et les gens se retrouvent complètement endettés. Ce qui explique aussi tous ces lotissements et ces maisons à moitié construites qu'on voyait dans le paysage et qui, a priori, resteront soit comme ça, soit seront détruites. Mais il y a pas mal de maisons, de mini-châteaux qui avaient commencé à être construites pendant cette période faste et qui, malheureusement, ont dû cesser là où elles en étaient. Donc il y a vraiment comme des cimetières de lotissements, de maisons qui sont à moitié construites et qui restent là comme ça. Voilà, donc c'est une explication. Je ne connaissais pas cet aspect-là de l'économie irlandaise. À vrai dire, je ne connaissais aucun aspect de l'économie irlandaise. Pour le coup, maintenant, c'est fait. J'ai vraiment beaucoup aimé la partie aussi sur la place de l'église en Irlande qui montre plein de paradoxes. Que je ne sais pas si vous le savez, mais là, en 2015, je ne sais plus quel mois, le mariage gay a été autorisé par référendum en Irlande. Et à côté de ça, l'avortement est toujours interdit. Voilà, donc c'est très paradoxal. En 2013, en juillet 2013, je crois, ou en été 2013, je ne sais plus si c'est au mois de juillet ou au mois d'août, l'avortement, une loi a précisé que l'avortement était autorisé pour les femmes qui étaient en danger de mort, donc soit suicidaires, soit parce que leur santé faisait qu'elles ne pouvaient pas prolonger leur grossesse. Donc l'avortement est uniquement autorisé à cette condition-là. Les jeunes filles ou les femmes irlandaises qui se retrouvent enceintes et qui veulent avorter doivent prendre l'avion ou le ferry pour aller en Angleterre pour le faire. Voilà, donc c'est un paradoxe énorme entre les droits des gays qui vont vers l'égalité, disons, et l'avortement qui est encore un sujet complètement tabou en Irlande. Ce qui est aussi super intéressant dans cet essai, c'est que Agnès Mayo, qui est enseignante-chercheuse à Dublin, se base sur des témoignages, des anecdotes qui viennent d'Irlandais. Donc on a les paroles, les interviews, les témoignages d'Irlandais dans chaque axe de cet essai. Ça donne un côté encore plus vivant, plus fort, plus intense. Et je finirai par vous lire deux phrases de la postface, de la conclusion, qui parle voilà, de cette Irlande. C'est un pays difficile mais passionnant à raconter, tant il est changeant, tant il reste prisonnier d'un passé politique violent qui le divise encore. Mais c'est aussi et surtout un pays attachant qui parvient à concilier un nationalisme bon enfant, lors de rencontres sportives notamment, et une formidable ouverture au monde. Voilà, je trouve que ça définit assez bien l'Irlande. Et si vous avez jamais mis un pied dans ce beau pays, je vous invite à le faire. Ma lecture en cours, c'est une lecture commune avec Elodie, des confidences de Miss Elodie. J'ai commencé hier, on a divisé ce texte en trois parties. J'ai bientôt fini la première. Je pensais que, comme d'habitude avec les éditions de L'Homme sans nom, ça serait une lecture assez dense qui demanderait assez de temps. Et en fait, j'ai dévoré hier les 96 premières pages, donc je pense que j'arriverai à la fin de la première partie ce soir. Je vais devoir attendre ma copine de lecture commune pour pouvoir continuer. Donc j'ai prévu un autre livre que je vous montrerai juste après. Donc, nous sommes en train de lire Xénome de Nicolas Deban aux éditions de L'Homme sans nom. C'est de la science-fiction. On se retrouve dans un Paris futuriste en 2184. Et c'est super bizarre. Mais super passionné. On découvre dans les premières pages un homme, si on peut appeler ça un homme, qui se réveille, qui est branché à plein de tuyaux, un peu comme dans Matrix, hein, il se réveille quand on voit les pouponnières, sauf qu'il est adulte, là, l'homme qu'on découvre. Il se réveille, il sait pas du tout où il est, il sait pas du tout qui il est, et nous non plus. Voilà. Et il se réveille dans une société futuriste, donc dans le Paris, dans le Louvre même du Paris de 2184, et on va découvrir un petit peu l'environnement à travers ses yeux et également à travers le point de vue d'autres personnages qu'on ne suit pas cette fois avec le point de vue interne mais avec un point de vue omniscient, donc c'est pas mal aussi. Les personnages sont
insérée petit à petit dans l'histoire. Donc on va suivre aussi un inspecteur qui va mener une enquête sur le vol d'œuvres d'art au Louvre. On va suivre également une jeune femme qui est une voleuse professionnelle qui a l'air d'avoir des talents de combattante assez exceptionnels également. Et qui se cache, qui a une fausse identité, on ne sait pas qui elle est. Je crois que c'est tout. Et donc le jeune homme qui s'est réveillé, qui ne sait pas qui il est, et on ne sait pas non plus qui il est. Il a été pris en charge par un homme qui travaille au Louvre, qui l'a pris sous son aile et qui va l'aider à se faire à ce nouvel environnement, qui va lui apprendre à parler, à lire, à écrire, à se débrouiller tout seul. Ce qui est vachement intéressant dans ce livre pour le moment, c'est justement le côté SF, qui est très bien décrit, c'est très immersif, on imagine très bien ces lignes de métro, ces bâtiments les uns sur les autres. On découvre petit à petit que les humains peuvent être génétiquement modifiés, ils peuvent acheter des améliorations pour améliorer leurs capacités sensorielles, ou leur capacité physique, ou même leur aspect physique. Voilà, c'est une société un petit peu comme ça, où la génétique a une grande place. Point. Bref, il y a donc plusieurs axes, en tout cas c'est ce que j'ai compris à la lecture de ces 96 premières pages. On a l'axe donc, du jeune homme qui se réveille, qui ne sait pas qui il est, on ne sait pas non plus qui il est. De la voleuse expérimentée qui cache son identité, on ne sait pas trop pourquoi, qui essayait de voler des gènes, pour on ne sait pas trop quoi faire. Et le troisième axe qui est celui de l'inspecteur de police qui essaie de découvrir pourquoi des œuvres d'art au Louvre ont été volées, comment elles ont été volées et qui les a volées, évidemment. On comprend que tout est lié aux expériences scientifiques liées aux gènes, à l'ADN, etc. Mais on n'en sait pas plus, et bah j'ai hâte de lire la suite, puisque je suis assez curieuse de découvrir comment tout ça se recoupe, et d'en apprendre plus sur cet univers SF bien construit, pas mal, qui me semble bien travaillé. Bref, j'ai hâte d'en savoir plus. Donc, en attendant, Elodie, qui... Je ne sais pas si elle a commencé la lecture de la première partie, mais comme il faudra que j'attende pour commencer la deuxième partie, je me suis pris un autre essai, que j'ai aussi emprunté à la bibliothèque, qui s'appelle La peinture anglaise de Béatrice Laurent aux éditions Du Temps. Je ne l'ai pas du tout commencé, mais je le réserve comme ça, j'ai envie de piocher dedans de temps en temps, et notamment quand il faudra que j'attende Elodie pour continuer de lire Xénon. Alors, ce livre parle donc de la peinture anglaise du 18e siècle à nos jours, et donc revient sur 40 tableaux de façon assez détaillée. Donc par exemple, j'ai pris au pif ce tableau-là, qui s'appelle « La dignité et l'insolence » de Edwin Landseer, je connais pas, qui date de 1839. Voilà, donc à chaque fois en fait on va avoir une petite biographie du peintre, de l'artiste, et ensuite une explication du tableau, assez détaillée, avec des comparaisons avec d'autres tableaux, du même peintre ou sur le même thème, etc. Donc j'aime assez ce principe là, puisque je vais pouvoir piocher un petit peu aléatoirement dans le livre pour voir de quoi parlent certains tableaux qui vont peut-être plus nous parler que d'autres. Par exemple le célèbre tableau de Rossetti qu'on voit assez souvent sur les couvertures de livres, qui s'appelle Beata Beatrix et qui date de 1864-1870, qui représente la muse de Rossetti. C'est la femme qu'on voit généralement sur tous ces tableaux. Mais j'ai jamais lu une explication détaillée de ce tableau-là, donc je suis contente d'en avoir une pour pouvoir en apprendre plus. Je ne sais pas si je tournerai une autre vidéo d'ici la fin des vacances. Si je lis énormément, j'aurai peut-être un autre update lecture à vous faire. Sinon, ça attendra la fin du mois d'août et mon retour à Lyon. Et je vous présenterai à ce moment-là les arrivées du mois d'août. Je vous ferai un book haul qui sera moins conséquent, je pense, que celui que je vous ai publié la semaine dernière, mais qui contiendra quand même au moins 5 livres, c'est sûr. À mon avis, 6. Et très certainement plus.
Mais on verra au mois d'août quand j'entrerai sur Lyon. D'ici là, je vous souhaite un très bel été, de très très bonnes lectures. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je terminerai par un énorme, 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 énorme merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la page Facebook, au blog directement, ou tout simplement à cette chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes toujours là pour m'encourager quand j'ai des périodes de doute. Malgré la longueur des vidéos, malgré ma façon de faire qui n'est pas forcément in, qui n'est pas forcément à la mode, vous êtes quand même au rendez-vous. Je suis vraiment super contente que vous appréciez ma façon de faire et mon naturel, puisque j'ai pas du tout l'intention de changer quoi que ce soit à ma façon de faire, que ce soit des chroniques très longues ou des vidéos interminables comme celle-ci et comme d'habitude. Donc voilà, je suis super contente que vous soyez au rendez-vous et que vous aimiez ce naturel-là qui me correspond plutôt bien, je trouve. En tout cas, je joue pas la comédie en vidéo, je suis comme je suis au naturel. Je suis super contente que ça vous plaise et que vous aimiez la façon dont je vous présente des livres. Voilà, un gros 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 merci et j'espère à très bientôt pour une future vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt sur le blog, sur la page Facebook, sur le compte Twitter, sur le compte Instagram. Je vous mets tout ça en lien dans la description de la vidéo. À bientôt et merci.